Salut les amis, j'espère que vous allez très bien, que vous êtes en super bonne forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour mes 12 pronostics concernant la 5e journée de la Ligue des Champions UEFA. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, rassurez-vous de vous abonner, abonnez-vous et activez la cloche de la notification pour ne plus manquer aucun de nos prochains pronostics. Et aussi, partagez la vidéo avec vos amis. Et vous pouvez nous rejoindre sur notre chaîne TikTok pronostic. Le lien est en description et au premier commentaire. Alors, on commence. Le premier match de cette 5e journée de la Ligue des Champions UEFA qui oppose RB Salzbourg contre Chelsea. RB Salzbourg qui est deuxième dans son groupe avec une seule victoire en 4 matchs, 3 matchs nuls, 6 points contre une équipe de Chelsea qui est premier du groupe avec 2 victoires en 4 matchs, 1 match nul avec 7 points. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons jouer à la sécurité, nous sommes en Ligue des Champions. Nous allons choisir double chance pour Chelsea. Chelsea va chercher côte à côte à gagner le match ou à faire match nul afin de toujours conserver sa place de leader. Le deuxième pronostic de cette 5e journée de la Ligue des Champions qui oppose Dynamo Zagreb et AC Milan, toujours dans le groupe E. Dynamo Zagreb qui est troisième du groupe E avec une seule victoire en 4 matchs, 1 match nul et 2 défaites contre cette équipe d'AC Milan avec aussi une seule victoire en 4 matchs, 1 match nul et 2 défaites également, 4 buts marqués pour encaisser 7. Cette équipe de AC Milan est 4e au classement mais avec 4 points à égalité que Dynamo Zagreb. AC Milan va coûte coûte chercher à gagner le match pour avoir les points pour se qualifier pour les 8e finale de la Ligue des Champions. Donc mon pronostic pour ce match, nous allons choisir victoire ou match nul pour AC Milan. Double chance pour AC Milan. Le troisième pronostic de cette 5e journée de la Champions League UEFA, le match qui oppose Celtic contre Shakhtar Donetsk. Celtic 4e de son groupe avec 0 victoire en 4 matchs, 1 match nul, 3 défaites, 2 buts seulement marqués pour encaisser 9 buts. Contre cette équipe de Shakhtar Donetsk, 3e du classement avec une victoire en 4 matchs, 2 matchs nuls et une défaite, 7 buts marqués pour encaisser 5 buts. Cette équipe de Shakhtar Donetsk pose beaucoup de difficultés aux différentes équipes qui forment le groupe. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir double chance pour Shakhtar Donetsk. Le 4e match de cette 5e journée de la Champions League UEFA qui oppose RB Leipzig contre le Real Madrid. RB Leipzig qui est deuxième de son groupe avec 2 victoires en 4 matchs, 0 match nul et 2 défaites, 6 buts marqués pour encaisser 7 buts. Contre cette équipe de Real Madrid, leader de son groupe avec 3 victoires en 4 matchs, 1 seul match nul avec 0 défaites, 8 buts marqués pour encaisser 2 buts. Mais je notifie que pour cette rencontre, il y a quelques éléments de Real Madrid qui ne vont pas jouer le match. Et Leipzig est à domicile. Mais mon pronostic pour cette rencontre, nous allons jouer à la sécurité. On va prendre seulement plus 1,5 but dans le match, soit 2 buts dans le match, c'est mieux. Le prochain match qui oppose Copenhague FC contre le FC Séville. Deux équipes du groupe G qui n'ont pas encore enregistré aucune victoire cette saison. Copenhague 4e du groupe avec 0 victoire en 4 matchs, 2 matchs nuls, 2 défaites, avec 0 but marqué pour encaisser 8 buts. Contre cette équipe de Séville FC avec 0 victoire aussi, 2 matchs nuls, 2 défaites, avec exactement les mêmes points, 2 points que Copenhague, mais 2 buts marqués pour encaisser 9. Séville qui a l'extérieur, mais mon pronostic pour cette rencontre, double chance de Séville. Le prochain match qui oppose Borussia Dortmund contre le Manchester City. Borussia Dortmund qui est deuxième de son groupe avec 2 victoires en 4 matchs, 1 match nul et 1 défaite, 9 buts marqués pour encaisser 4 buts. Contre cette équipe de Manchester City, leader de son groupe avec 3 victoires en 4 matchs, 1 seul match nul et 0 défaite, 11 buts marqués pour encaisser seulement 1 seul but. Mon pronostic pour cette rencontre, les deux équipes marquent. Manchester City n'a pas une défense qui est solide et il encaisse presque souvent de buts à chaque match. Le prochain match qui oppose le Paris Saint-Germain contre Maccabi Haïfa. Paris Saint-Germain, leader de son groupe avec 2 victoires en 4 matchs, 2 matchs nuls, 0 défaites, 7 buts marqués pour encaisser 4 buts. Contre cette équipe de Maccabi Haïfa, dernier du groupe avec une seule victoire en 4 matchs,
0 match nul et 3 défaites, 8 buts encaissés. Mon pronostic pour cette rencontre, handicap à -1,5 pour Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain va chercher à battre Maccabi Haïfa pour valider définitivement leur ticket pour les 8e finale de la Ligue des Champions, donc avec 2 buts d'écart. Le prochain match de ce groupe H qui oppose le Benfica FC contre Juventus de Turin. Benfica deuxième de son groupe avec exactement le même point que le leader Paris Saint-Germain, 8 points au compteur, 2 victoires en 4 matchs, 2 matchs nuls, 0 défaite, 3 buts encaissés pour marquer 6 buts contre cette équipe de Juventus de Turin. Troisième de leur groupe avec une seule victoire en 4 matchs, 3 défaites, 5 buts seulement marqués. Mon pronostic pour cette rencontre, double chance pour Benfica. On va choisir double chance pour Benfica qui est à domicile. Le prochain match de cette cinquième journée de la Ligue des Champions qui oppose Ajax FC contre Liverpool FC. Ajax qui est troisième de son groupe avec une victoire en 4 matchs, 0 match nul, 3 défaites avec 8 buts marqués pour encaisser 12 buts contre cette équipe de Liverpool aussi en grande difficulté. Deuxième de leur groupe avec 3 victoires en 4 matchs, une défaite, 12 buts marqués pour encaisser 6 buts. Mais la défense de Liverpool est en grande difficulté cette saison, en première ligue comme en Ligue des Champions, mais retrouve peu à peu leur gloire de victoire. Mais mon pronostic pour cette rencontre, les deux équipes marquent. Ajax qui est à domicile va chercher coûte coûte à marquer au moins un but. Le prochain pronostic qui oppose Napoli FC contre Rangers. Napoli FC qui est leader de leur groupe avec 4 victoires en 4 matchs, 17 buts marqués pour encaisser seulement 6 buts. La meilleure défense de ce groupe A contre le dernier du groupe Rangers, 4e classement avec 4 défaites en 4 matchs. Mon pronostic pour cette rencontre, victoire directe pour Napoli. Le prochain pronostic de cette 5e journée de la Ligue des Champions UEFA qui oppose le Club Brugge contre FC Porto. Club Brugge qui est solide premier de son groupe avec 3 victoires en 4 matchs, 1 match nul, 0 défaite, 7 buts marqués pour encaisser 0 but. Club Brugge a la meilleure défense cette saison en Ligue des Champions. Ils sont le seul club à ne pas encaisser aucun but contre cette équipe de Porto qui est deuxième de ce groupe avec 2 victoires en 4 matchs, 0 match nul et 2 défaites, 6 buts marqués pour encaisser. Si, mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir plus 1,5 but dans le match, soit 2 buts dans le match. Le prochain match qui oppose Atlético de Madrid contre Leverkusen. Le prochain match qui oppose Atlético de Madrid contre Bayer Leverkusen. Atlético de Madrid qui est troisième de son groupe avec une seule victoire en 4 matchs, 1 match nul, 2 défaites, 2 buts seulement marqués en 4 buts, en 4 matchs. Pour encaisser 5 buts contre cette équipe de Bayer Leverkusen qui a aussi une seule victoire en 4 matchs, 3 défaites, 2 buts seulement marqués pour encaisser 6 buts. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir -3,5 buts dans le match.